Salut, c'est Keliana et aujourd'hui, la dernière fois, on s'était arrêté à je sais plus le nom de la ville. Voilà, c'est horrible. Skiford, voilà. Donc, je devais aller affronter. C'est beaucoup trop fort dans mes oreilles. Voilà. Affronter la championne pour lui avoir le badge haut. Et d'ailleurs, j'en avais profité pour aller dans les terres sauvages et refaire mon équipe. Donc j'ai Toxizap. J'ai capturé un tout à fait dans les raids. Voilà. Coléodrome, Vanator Gamor, qui avait évolué, je ne sais plus. Voilà. La Pyro, qui va pas tarder à évoluer. Et j'ai réussi à attraper un canard artichaut. Donc à voir s'il va évoluer en pal artichaut ou pas. Tu es une challenger, n'est-ce pas? Alors je suppose que tu cherches Donna, la championne d'arène. Elle est au phare. Mais où est le phare? Tu me dis, cherche la mer, tu le trouveras. Donc le phare, c'est là-bas. Ah, attends, on s'occupe. Une super potion. Tu es une challenger, n'est-ce pas? Oui. Et tu es parrainé par Tarak. Et oui, nous les champions parlons souvent de toi. Ta réputation te précède. Tiens, c'est pour toi. Je suppose que tu as envie d'en savoir plus sur moi. La carte de l'île de Donna. Retrouve-moi au stade de Skiford. C'est une chose que j'aime encore plus que la pêche, c'est un combat Pokémon. Là, on trouve. Les lecs. Et là, on a les deux formes de Salarsen. On raconte que les Pokémon représentés par ces astuces auraient un jour protégé le phare. On peut pas rentrer dans le phare. On peut pas parler au mec là-haut. Léo. Bon, bah, on va aller. On va parler à Monsieur Pokéball, la balle masquée. Bonjour. Bonjour jeune challenger, je suppose que tu prends part au défi des arènes et que tu viens affronter la championne du type O. Oui. Enfile ton uniforme. Allez. Voici la mission de l'arène de Skiford. Le but c'est d'arriver à sortir du labyrinthe. Enfin, ça ne sera pas simple, car il se peut que l'eau te bloque le passage. Comment faire dans ce cas, me demandes-tu? Eh bien, qui sait, peut-être qu'appuyer sur les boutons pourrait t'aider. En avant! Elle est plus rapide que moi. Aïe. Et voilà.
paralysé et un petit coup de reste par-dessus. Allez, vas-y. Rugissement, mais utilise une autre attaque. Moi, je m'en fiche, je reprends mes PV tranquille. Sur le jaune, voilà. On appuie sur le rouge. J'espère que c'est un circuit fermé leur truc parce que je raconte pas la quantité d'eau. On va aller affronter elle. Apparemment, il y a un Crabosh Gigamax dans les raids. J'ai pas encore réussi à le choper. Siphon, la pire attaque du monde. Voilà, après le siphon qui m'enlève de la vie. Mais la tête de Toxis, vraiment. Voilà. Ah, il le laisse invital. Gigotage. On va changer un peu, on va envoyer. Tiens, quel artichaut. Mais il est trop stylé ce canard fichu, franchement. En première génération, il servait à rien, mais alors celui-là. Vas-y, pique lui à la gueule. Tiens, vas-y, éclate-trop. Ouais, avec la troc, ça marche bien. Hein. Le siphon. Faut arrêter avec ces attaques là. Tiens, vas-y. Taillez de l'eau. Je vais soigner un peu mes Pokémon.
Voilà. Maintenant, je suis plus rapide que lui. Voilà. Alors, efficace. Ok. Allez, on va lui éclater la tête. Ah, ça marche bien ça. Il me semble que c'est le jaune. Le rouge. Voilà. Voilà. Petit coup de sauvegarde avant d'y aller. Ce que je vais faire, je vais mettre qu'un artichaut en premier. On va voir si j'arrive à tenir avec lui. Bienvenue dans mon arène, Challenger. Comme tu sais, je me nomme Donna. Désolée que tu aies eu à me chercher. Tu es venu à bout de ma mission d'arène qui était pourtant relativement complexe. Et je dis tout ça en toute humilité. Tu possèdes un esprit affûté qui te prédispose à la carrière de dresseur Pokémon. Mais ton discernement suffira-t-il à te sauver face au torrent de mes attaques ? Poissy, reine. Et le coup de corne. Ça va. Allez, claque-le encore une fois. Allez, plus rapide que moi. Hein. Tiens, bouffe. Et un poissy, reine en moins. Hein. Un brochet, il est très rapide, je crois. Ah, ça fait mal, hein. Il y a un artichaut qui résiste très très bien. Ah.
que le drone niveau 25. Torgamor, il est au roche. Pour essayer de l'avoir avec un double pied, mais... qu'est-ce qu'il a? On va essayer Colodrome. J'ai pas d'attaque plante et d'attaque électrique, je crois qu'elle fonctionne pas avec qui proche. Je sais pas. Est-ce que je le dynamax? Allez, on va le dynamaxer pour le lol. Mais je peux me balancer Pétisol, ça marche très bien ça. Ah, je suis plus rapide que lui. Vas-y, vas-y, envoie. Envoie, vas-y. Il est très goldé dans la mort. Oh, c'est le meilleur Pokémon O du jeu. En tout cas, l'un des meilleurs. Tiens, bouffe! Aïe! Ah non, mais là, il y a triche, hein. Vas-y, piétissons-nous, voilà. Et deux fois qu'on lui baisse sa vitesse, voilà. J'ai bien fait de lui mettre à cette attaque. Voilà. Voilà, tout le monde entend le mot, tout à fait. Toxila. Ça alors, tu as fait boire la tasse à tous les membres de mon équipe. Incroyable. Ma foi, je ne peux reconnaître que ta victoire. Poursuis ton avancée victorieuse tout au long du défi des arènes avec l'aide de ton équipe. Qui sait, ta fougue te mènera peut-être jusqu'au titre de maître. Ton équipe et toi avez su vous montrer digne de ce badge. Porte-le fièrement. Et voilà, deuxième badge. Je pense que le champion de type feu se fera une joie de vous affronter étant donné ton niveau.
Bravo, tu as vaincu Donna, la championne. Accepte cette CT, un souvenir ce jour. Le siphon. Et voici une copie de son uniforme en premier. Mon équipe et toi, vous avez remporté le badge haut avec brio. Je garderai un œil sur vous pour savoir jusqu'où vous irez comme ça. Le président t'attend au restaurant de Le Brise-Lame. Ne traîne pas en chemin, s'il te plaît. Voici sa carte de ligue, au cas où tu aurais oublié son visage. Le président Chéreuse ne met jamais à plus tard ce qu'il faut faire sur le champ. Contrairement à moi. Il refuse de faire attendre même un instant ce qui pourrait bénéficier de son aide. Et moi, je n'aime pas que l'on fasse attendre le président. Alors, au galop. Mais elle est un peu... Bah, il va attendre le président. Hein. Je vais soigner mes Pokémon d'abord. Ah, joins-toi à nous et fêtons ta victoire. Tiens, tu as été invité toi aussi? Ah, mais vous vous connaissez? Merveilleux, je vous en prie, prenez place. Skiford est une ville qui vit rationnement des produits de la mer. Quitte à les restaurants, le choix ne se pose pas, il faut manger local. Ça serait pas un message pour dire oui, manger local au lieu de manger des cochonneries. Et ah, c'est une. C'est Goélise, voilà. Petit Goélise sur la fenêtre. Tous les plats de la carte sont délicieux, plus délicieux les uns que les autres. Vous ne serez pas déçus. Je suppose que cette chère professeure Magnola se porte toujours comme un charme. Nous lui devons beaucoup, voyez-vous. C'est elle qui a découvert comment utiliser les pouvoirs des étoiles vœux pour dynamaxer les Pokémon. Sans ses travaux, jamais nous n'aurions plus travaillé, nous n'aurions plus fabriqué les poignées Dynamax. Oui, mais nous sommes encore loin d'avoir élucidé tous les mystères du Dynamax. Je dois avouer que ça la préoccupe. Elle me force même à emporter un détecteur de source d'énergie dès que je sors. Oh, un détecteur de source d'énergie, c'est si pratique ces petites choses. Elle a l'air coincée, Liv, mais coincée. Vous savez, c'est grâce à eux que nous avons découvert les lieux riches en Galarion, qui permettent aux Pokémon de se dynamaxer. Mais je suis navrée d'apprendre que cette chère professeure Magnola est préoccupée. Si seulement je pouvais faire quelque chose. J'ai peut-être une idée. Liv, veux-tu bien donner à Sonia l'autorisation de visiter la salle des reliques de Kikenam? Je suis persuadée que les clés du secret de Dynamax est liée à l'histoire de notre région. C'est noté, Monsieur le Président, je vais arranger cela. Sur ce, je dois vous rappeler que l'heure tourne, Monsieur le Président. Bah non, on n'a même pas mangé encore. Quoi? Déjà, oh non, j'aurais voulu discuter avec Hélène. C'est dommage, mais que voulez-vous? C'est la dure vie de PDG. Mon temps ne m'appartient pas, je ne vis que pour Gala. Mais quel gendarme serais-je si je faisais attendre ceux qui ont besoin de mes lumières? Comment elle fait pour marcher avec ses pompes? Il fallait vraiment qu'il me parle de la salle des reliques, je suis obligée d'y aller maintenant. Mais bon, il y a sans doute une raison. Si j'ai bien une chance de trouver des infos sur la légende, c'est là-bas. Bravo, tu as tenu le bal. Oh, Donna est une adversaire coriace. Tu as bien mérité cette CT pour la peine. Vengeance. Mange un Pokémon de l'équipe Mikao. Si un Pokémon de l'équipe a été Mikao au tour d'avant, l'effet augmente. En parlant de Donna, c'est une bonne copine. Je vais aller lui faire un petit coucou. A plus, Challenger.
Yo, toi aussi, t'as déjà le badge planche, badge plante et le badge eau, c'est ça? Dans ce cas, notre prochain inventaire sera le même. Oula! Dans ce cas, notre prochain adversaire sera le même, Kabu, le champion de Motorbike. J'ai justement entendu dire qu'il suivait un entraînement spécial à la mine de Galar numéro 2. Donc, à mon avis, ça sert à rien de foncer tête baissée à Motorbike. Autant faire un crochet par la mine, on tombera peut-être sur lui avec un peu de chance. Oups! Non. Ça fait pas un truc, elle. Non, il n'y a rien. Par contre, là, il y a une Pokéball. Un gros locoque. Ah, c'est un reste, un vieux. Ce que je vais faire, je vais lui donner à... Je vais lui donner avec un artichaut. Voilà. Mille de Ganard numéro 2. Encore toi. Bah, je pourrais te dire la même chose. Ne te méprends pas, je ne suis pas venu ici pour affronter des dresseurs de la mine. Vu la faiblesse du niveau général, ce serait bien trop dégradant pour mon équipe. Remarque, je pourrais être miséricordieux et tous vous vaincre pour vous épargner des souffrances ultérieures. Je vais commencer par toi d'ailleurs. Tu me crois... Te croirais-tu à ma hauteur? Ne me fais pas rire. Laisse-moi te montrer en combat l'étendue du gouffre qui nous sépare. Ouais, moi je te bats quand tu veux, où tu veux. Tiens, bouffe! Et en plus, je suis plus rapide que toi! Je dois avouer que tu as un peu progressé, juste un peu. Écoutez là, non, je sais pas. Tiens! Deuxième dose. Bibichu, ouais, il est psyché, non? Si vous entendez un petit bruit derrière, c'est la machine à laver, ne vous inquiétez pas. Tiens! Et hop! Un petit Ponyta. Ah, plus rapide que moi. Voilà. Eh oui, Ponyta n'est que psy. Tu es bien, donc j'ai eu pitié de toi et je t'ai laissé gagner. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Toutes mes excuses, il semblerait donc que tu ne sois pas irrémédiablement lamentable, mais tout simplement pitoyable. Quoi qu'il en soit, tu es bien là d'avoir le niveau suffisant pour le défi des arènes. Mais tu as bien mérité une image pour l'effort. Je ne veux pas ta carte de ligue. Tu m'excuseras, mais j'ai des étoiles bleues à collecter. Ciao!
Mais souris pas! Souris pas! Souris pas! Bon. Un artichaut bien été mérité une petite potion. Et on va mettre Torgamor en premier. Non, ça, il faut pas s'en approcher. Vagomine. Brochefeu, je crois. Brochefeu. Ouais, brochefeu. Turbine de Vagomine. T'es sûr de toi là? Une attaque feu sur un Pokémon ou roche. Ça, ça risque de faire un petit peu plus mal. Voilà. Vigilance, c'est quoi ça, vigilance? Utilise une force mystérieuse pour protéger les clés des capacités. C'est pourri ça. Mais le sol, c'est pas eu de... contre l'acier. Ah, déjà que l'immonde il était pas top, mais alors l'immonde de Gala il est encore plus moche. Ils ont réussi à faire plus moche que moche. Si je fais ça, est-ce que ça marche? Un petit peu. Il est tombé à mort. Qui évite l'attaque? Essaye ton broche. Ça c'est encore moins une... Voilà, ça, ça marche beaucoup mieux. Bon, on va éviter des limondes. Hop, hop. Du lit de fermeté, fermeté ou quoi? Non, il n'avait pas fermé. Charpentier, il est combat, je crois. La famille KO. Son côté insecte l'a protégé.
Prends un jeté des attaques à tour multiple dès que ligotage est éteint. Là, je peux pas y aller, j'ai pas encore la bicyclette. Oh là là. Alors eux, ils vont avoir un zigzaton machin truc. Il faut les attaques combat. Non, pas le résumé. Je sauvegarde. Pardon de te déranger, mais t'es bien une challenger, non? Oh là là, c'est super impressionnant. Tu voudrais bien nous accorder un petit combat? Ah, t'es là. Oh, tu t'es déjà trouvé des groupies, on dirait mon frangin. T'es qui, toi? On t'a pas sonné. Je m'appelle Nabil, je suis le prochain maître. Non mais lol, quoi. On sait tous que le prochain maître, c'est Rosemary. Quoi? Vous croyez que les autres sont incapables d'y arriver? Vous allez le regretter. Allez, viens, on va leur montrer. Bah oui. Ouais. Et ouais, on est recommandé par le maître en personne. Vous allez voir ce qu'on sait faire. Vous êtes vraiment à la ramasse. Heureusement qu'on est là pour vous montrer ce que c'est que la dure réalité des défis d'arène. Pourquoi il a fallu qu'il réplique l'autre naze? Il sait bien notre plan d'embobiner les challengers en étant poli pour mieux les dégager un par un. Mais on voit pas mon mouton! Bon, on va dégager Roublenard, c'est plus dangereux. Ouais, voilà. Fixer mon mouton. Oh, mon mouton, qu'est-ce qu'il s'est pris dans la gueule? Voilà, un Roublenard en moins, hein. Petit coup de PV en plus. Tout à fait qu'il monte en niveau. Boule d'armes. Mais attaque-les! Putain, lui, il a des Pokémon nombreux. Hein. Léopardus, Roublenard. Ouais, voilà, voilà. Voilà, au revoir mon mouton. La tête d'Iken Artichaut. Wesh, j'en ai rien à foutre de ton attaque. Putain, regarde. Je fais remonter mes PV en même temps. Ah, Iken Artichaut et Colodrome qui montent tous les deux. Bleuzeille. Voilà, visez Bleuzeille, voilà, c'est très bien. Tiens, bouffe! Plan d'espieg, il est combat, plan d'espieg. Tiens. Coup de pique-pique. Je vous disais qu'il était stylé qu'un artichaut dans cette génération. On l'a perdu, mais on reste de la team quand on a besoin d'Yel. Quand on a besoin d'Yel. On aurait peut-être eu une chance de gagner si on avait pu faire un masque de bruit. Toi là, t'es le plus fier du maître, non? Je suis sûr qu'il t'a entraîné. Il y a des frères mieux que d'autres. C'est tellement pas juste. La team nous vendra. Bien joué.
fait vraiment la perte. T'as envoyé mon mouton. En fait, t'as vu Cabu, toi? Parce que moi, non. Continuons de chercher, on va bien le trouver. T'as envoyé mon mouton, mec! Il s'est fait quasiment one shot. Non! Fous-moi la paix. Je t'ai déjà, fous-moi la paix. Voilà. Bonjour. Ah, j'ai pas changé mon... C'est pas grave. Le cheminot. T'es pas en grève? Rototo. Oh, merde, Rototo, petit gars, c'est non? Efficace, c'est bon, on va lui éclater la tête. Bah voilà, ça marche très bien. Il y a un coup de critique, hein. Et voilà, Toxizap qui monte en niveau. Onyx. Tiens, cadeau. Et hop, un gros rocher pour Onyx, voilà. Merde, j'ai pas mis KO. Eh oui, je suis pas vol. Va falloir réaliser ta table des Pokémon. Hein. Tiens, un gros rocher pour toi. Voilà, regarde, je remonte mes PV. C'est tout? Je vais remettre Tangamore parce qu'il faut que j'entraîne. Tourbissable. Ça c'est bien quand t'as un Pokémon de petit. Oh là là. Ouais, ça c'est la fin. On esquive. Du sable doux. Hein? 118. Team Yel, merci pour votre contribution à mon entraînement. J'apprécie vos efforts. Mais que je ne vous reprenne plus à déranger un Vagomine dans son travail. On voulait pas le déranger, on voulait l'encourager. Bon, la team Yel sait reconnaître quand elle est vaincue. Allez hop, on remballe. Petit short. C'est bien beau les encouragements, mais rien ne vaut l'application et les efforts. Fago. C'est Cabu, comment il les a incendiés. C'est pas pour rien que c'est le champion de type feu. Les challengers recommandés par le maître. Pardon, je suis en plein entraînement. Je mets un point d'honneur à offrir un combat des plus stimulants aux challengers. La mine de Galar, numéro 2, regorge le Pokémon O. Un véritable défi pour mon Pokémon de type feu. Enfin, assez parlé, il est temps de rentrer. Vous êtes en route pour Motobay, je suppose. Dans ce cas, continue tout droit, vous y serez. Allez vous reposer à l'hôtel pour être frais et dispo pour le relever des défis d'arène. Au plaisir. Viens mon brave Vagomine, je te raccompagne. De brûlants combats nous attendent demain. Petite foulée. Mon frangin m'a parlé de Cabu. Il paraît que plein de challengers abandonnent parce qu'ils n'arrivent pas à le vaincre. Du coup, va pas falloir se relâcher. Le Vagomine de tout à l'heure devait être là pour un Poké Service. Tu sais ce que c'est? Bien sûr. Tu sais déjà tout, super. Bon, on file se reposer à l'hôtel, on a toujours nos chambres au Rosemont Tondeur de Motorbike. Il faut qu'on soit en forme pour demain pour affronter Cabu, le champion de l'arène de type feu. Alors, on va commencer par récupérer ce qu'il y a là. La pièce rune. Pièce rune qu'on va donner à... Tangamore, parce que c'est lui surtout qui va bosser demain. Hop,
Et là, il y a quoi comme Pokémon? Une larme. Et plus. La fin. Tu arrives de face, elle me voit même pas. Clémence Amandine veut se battre. Voilà tout. Qui c'est qui va se requétiner? C'est votre toutou. Et voilà. Regnolove, il est psy. On va le sauver. Ouais, il est psy. Et là, on va commencer à gagner de l'argent grâce à la pièce rune. Chut, il y a un flic. Coucou. Et le flic, il a une tête creepy. Hein. Caninos. Bah, bien sûr, il a un caninos, c'est un flic. Caninos intimidation. Ah, ça l'a pas mis KO. L'intimidation qui fait le boulot. Tiens, bon, on se des rochers. Voilà. Marie. Ah bah tu t'entraînes tard. Tu veux bien me rendre un service? On peut se faire un combat? Je trace un peu pour le défi. J'ai peur de pas avoir le niveau. Bah ouais. N'hésite pas, ça me plaît. De pod, il est... Bah, on va le piétiner, voilà. Voilà. Je pensais pas qu'il... Ah, mais il est ténèbre, Cradopod, il prend... Maintenant, Petit Sol, c'est... Il est quoi, Cradopod? Il est combat, c'est sûr. Lui il est sol aussi. Ah! Tiens,
Vas-y, arrose-le. Ah, c'est pas assez. Oui, on voyait Carmi, aucun artichaut. Coup critique. Il fait mal. Vas-y, on fait coup critique 3 fois. Voilà. Et moi que t'as fait un coup critique. Ah. Coup critique ? Non. T'as réussi à me battre, c'est pas rien. Vu la journée qui nous attend demain, moi, c'est dodo direct. Tu ferais bien de faire pareil. Morp morp. Point, 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 point. Le lendemain matin. Salut! Ton pote est déjà parti pour le défi des arènes. Il a dit que la carte de la Ligue de Kabul l'avait aidé à préparer sa stratégie pour le vaincre. D'ailleurs, il m'en a fini plein. Bouge pas, je t'en donne une. Tiens, au fait, c'est cadeau pour hier. Non mais sérieux, t'aggraves le niveau pour affronter le champion de type feu. Qu'est-ce que t'attends? Font choper le badge au tas de Mortarbag. Petit coup de sauvegarde. Ah te voilà, j'ai chopé le badge feu, j'ai trop géré. Mais j'ai eu chaud, ah, normal tu me diras pour une arène de type feu. En tout cas, Kabu est sûr, j'ai sorti les grands moyens et franchement j'en ai bavé. Parce que t'es nul, c'est tout. Ouais. Kabu est un grand athlète, mais je sais que tu seras de taille. T'es nul Nabil, c'est tout. Et tu m'attends pour savoir si je me plante ou pas, c'est ça? Alors ouais, Challenger, tu as réussi à parvenir jusqu'ici, grâce à l'agresseur capable de défier le grand Kabu, vu la difficulté de sa mission d'arène. Es-tu suffisamment échauffé? Moi, on peut y aller. Pour participer au défi des arènes, il faut être en uniforme. C'est parti. Notre mission d'arène n'a rien d'une mission ordinaire, en piste.
Laisse-moi t'expliquer l'objectif de la mission de l'arène de type feu. Il faut capturer un maximum de Pokémon pour marquer le plus de points possible. Pour 5 points pour gagner. Marque un Pokémon tapis dans les hautes herbes te rapportant un point. Le capturer 2 points, mais garde à l'esprit que tu n'es pas seul en lice, il y a d'autres dresseurs qui participent. Il faut garder un œil sur tes niveaux, sur tes rivaux et adapter ta stratégie en fonction de leurs actions, pour engranger un maximum de points. La mission commence. En sachant que tu peux attaquer tes rivaux. Démonstration. Vulpix. Tu fais ça, tu fais ça, et tu fais ça. On folie le, voilà, très bien. Hop, hop, et hop là. Voilà, il se frappe lui-même. Voilà. Je suis brûlé et confus. Allez, je te regarde mort. Oh, bon, allez. Le mets pas KO, le mets pas KO. Allez, t'en gars mort. Voilà. Vas-y. Allez, allez, voilà. Voilà, 2 points. On va soigner Torgamore. Tout garde. Les pattes. Et ben attaqué. Oh l'autre. Tiens, soleil à eau. Tiens, bouffe, voilà, ça t'apprendra. T'as voulu faire le malin, voilà ce qui arrive. On va essayer. Ouais, ouais. Hmm.
fais morsure, est-ce que ça va mettre KO? Résiste. Moi, c'est bon. Ouais, prends un coup de morsure et après ça sera bon. Encore un coup, ça devrait être bon. Voilà, on va pouvoir essayer de le capturer. Et voilà. Gripat, assez difficile à trouver. Là, c'est du 1% dans les hautes herbes. Donc le meilleur moyen de l'avoir, c'est de le capturer ici. Sabotage. Ça vaut le coup. Ténèbres. 65. 60. Oh, c'est pas mal. Bah du coup, on va re-soigner Torgamor. Par exemple, j'en avais plein des tentibols. Et là, c'est Funessir, il me semble. Attends. Hop. Voilà, comme ça, ça touche tout le monde. Voilà la mission d'arène de Kabu pillée en deux temps trois mouvements. Tu vas maintenant pouvoir affronter Kabu, le champion de cette arène. File Challenger, go go go! Attends, je remets ma méchouille. Concentration. Petite foulée. Et motivé, hein. Petite serviette. Bienvenue, comme tu sais déjà, je suis Kabu, le champion de type feu. Si tu es ici, c'est que tu as vaincu les équipes Plantéo de Percy et de Donna. Bravo. Laisse-moi te dire une chose sur les combats Pokémon. L'entraînement, ça ne fait pas tout. Je sais, c'est ironique, venant d'un coach. Tout le monde peut s'entraîner, mais il faut aussi être capable de tout donner au moment crucial. Ça y est, il est motivé. Ça va squeak. Ouais. Ah, j'ai évité l'attaque. Voilà.
va sûrement réussir de me la faire après. Ah, je serai plus rapide. Et voilà. Fenard s'est plié. Intimidation d'Arcanin. Très pratique, intimidation. Arcanin, intimidation. Feu follet. Cette fois-ci, je ne l'ai pas évité. Ça marche beaucoup moins bien sur Arcanin. Mais comme je baisse sa vitesse, j'ai l'avantage. Il remonte sa vitesse. Il est en train d'attendre que la brûlure me tue. On va le tuer avant. Ah, il est au 1 vital. C'est scandaleux, monsieur. Scandaleux. Pistolet à eau. Alors, Scolosandre est très beau, mais j'ai horreur de Scolopendre. Oh, il a le Scolosandre Gigamax, lui. Petite flamme dans les yeux. Ah, ça lui fait rien, putain.
m'a fait 4 points de dégâts, mon gars. Ah ouais, c'est la danse. C'est pas grave. Les tours sont presque finis. Alors, on va envoyer... Il serait pas insecte par hasard. Ouais, mais Colombo est insecte lui aussi. On va tenter. Allez. Voilà, ça c'est fini. C'est aussi moche qu'avant, mais c'est pas grave. Oh, ça fait rien. Ah, il s'est frappé lui-même. Ah putain. Bon. Il est grand temps de frapper là où ça fait mal. C'est quoi ce scolosome de merde là? Moi je vous le dis, je hais ce Pokémon. Allez, carne artichaut, il faut faire le taf là. Ah putain. Voilà. Canard artichaut est dans la place. Châtiment à plus d'accord. Vous avez fait du super boulot, ton Pokémon et toi. Cette victoire, vous l'avez méritée. Petite évolution. Ballon volant, ouais. À la place de quoi? Place de Famèche. On va mettre la place de Famèche. Voilà. Ah! Deuxième évolution. Bah, la place d'enregistrement. Ah,
Bravo, tu as su tout donner pour réussir les boyaux comme mon épreuve, qui est souvent considérée comme le premier véritable stage de l'effet des arènes. Oui, bah, toi et ton espèce de sale scolopendre là. J'ai beau avoir des années d'expérience et d'entraînement, cela ne suffit pas face au talent. J'ai rencontré des sœurs comme toi qui me font réaliser que j'ai encore des choses à apprendre. Ton équipe et toi, vous irez loin, je le sens. C'est une bien belle rencontre sportive que nous avons vécue aujourd'hui. Je te donne le badge de feu en récompense de ta victoire. Ici à Galar, les Pokémon Dynamax sont les stars du stade. Leurs combats font partie intégrante de la culture. Et c'est chaque nouvelle génération de dresseurs qui permet à cette culture d'être perpétuée. Tradition n'est pas stagnation. C'est le sang neuf qui nous force à évoluer et à nous adapter au temps moderne. Nous autres adultes sommes là pour vous soutenir, vous les jeunes. Je savais que ça irait pour ton Togarmon et toi, mais sans rire. J'ai stressé de ouf pour vous pendant le combat. Tu es à présent détentrice du badge plan haut et feu. Du bien beau travail. Accepte cette CCT pour te fêter tes exploits d'aujourd'hui. Et voici également un uniforme avec le même design que celui de Kabu. Magnifique, non? Plus ta puissance, tu es en mesure d'affronter les champions qui t'attendent à Kickenheim et au-delà. Retourne donc t'aventurer dans les terres sauvages et rends-toi à Kickenheim. Avec nos badges, on n'aura aucun mal à affronter les terribles Pokémon qui se cachent tout au fond des terres sauvages. En route pour l'aventure. Ben voilà! Un badge et deux évolutions. Pyrobut et Salarsen. Bon, je vais aller faire un petit entraînement dans les terres sauvages avant le prochain badge. Je vous dis à plus.